Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation des nouvelles ressources en préparation pour le collège de la DGESCO. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette présentation Christian Mercat, Charles Torossian et Gaël Papineau, que je remercie vivement pour leur participation. Donc ces nouvelles ressources pour le collège donc s'inscrivent dans un certain cadre, hein. On est maintenant à la quatrième année d'application de la réforme pour le collège avec des ressources qui ont été publiées à cette occasion-là, des ressources très intéressantes par ailleurs. Donc à cette occasion-là, enfin avec cette distance-là, on a jugé utile de préparer de nouvelles ressources sur certains thèmes bien particuliers, et notamment dans le prolongement du travail de la mission Villani-Torossian engagée sur le premier degré, qui a clairement identifié le collège comme un maillon d'action maintenant absolument essentiel. Donc, on va aborder quatre thèmes particuliers, hein, sur lesquels portent ces nouvelles ressources. Et le premier de ces thèmes, c'est les pratiques d'enseignement des mathématiques au collège de façon très générale et la question notamment des gestes professionnels. Donc, je me tourne vers Gaël Papineau pour lui demander pour lui demander un petit peu quel est le fruit de la réflexion de ce groupe de travail sur ce thème-là. Oui, bonjour à tous. Merci Christophe. Donc, ce groupe de travail a été mis en place dans un cadre un petit peu plus général, qui est le cadre du plan pour les mathématiques au collège qu'a mis en place la DGESCO il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc, ce groupe a été piloté par Françoise Flich, inspectrice générale, et il s'est interrogé en particulier sur les pratiques d'enseignement. Le groupe a voulu partir vraiment de constats, donc rentrer dans les classes, observer les gestes professionnels et vraiment utiliser ces constats pour accompagner au mieux les pratiques des enseignants. Donc, ce qui a été remarqué, c'est que certains gestes professionnels se sont développés de manière vraiment très positive au cours des dernières années. On peut noter par exemple le fait que la différenciation pédagogique est maintenant quelque chose de très courant dans les pratiques, est très installé. On peut noter également que par exemple le travail autour des compétences mathématiques fait partie du quotidien de la classe. Donc ça, ce sont des choses qui se sont vraiment développées dans les dernières années, dans les années récentes. En parallèle de ça, on a repéré que certains gestes professionnels, par contre, restent plus fragiles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été suffisamment soutenus par des ressources, par un accompagnement, par une formation. Et donc, le groupe de travail a voulu se focaliser sur ces gestes professionnels-là pour pouvoir permettre aux professeurs de les améliorer. Il a été identifié trois axes de travail principaux. Le premier axe, c'est l'oral en mathématiques. Donc, travailler l'oral en mathématiques parce que c'est apparu comme un incontournable des pratiques de la classe et tout simplement parce que c'est une aide indispensable à la compréhension. Les ressources qui sont en train d'être produites visent à identifier des exemples de pratiques qui sont des pratiques à développer parce qu'elles sont vraiment efficaces, à repérer des situations favorables à la pratique de l'oral, et puis petit à petit à amener l'élève à construire une argumentation. Donc voilà pour ce premier axe de travail. Le deuxième axe de travail qui a été choisi, c'est celui qui est autour de la trace écrite de cours. Donc il s'agit là de répondre vraiment à la question des enseignants de savoir ce qu'est une bonne trace écrite de cours. Non pas en proposant une trace unique, hein, mais l'objectif n'est pas d'être modélisant dans cette ressource, mais bien de proposer plusieurs exemples de les décrypter pour amener à comprendre quel est le questionnement qui va permettre d'avoir un regard réflexif sur ce qu'on va proposer comme trace de cours à nos élèves et d'essayer d'avoir une trace de cours qui soit la plus efficace et la plus utilisable possible, une trace de cours qui va
que l'élève va faire vivre dans sa pratique, va utiliser dans sa pratique. Donc, voilà pour le deuxième axe de travail. Et enfin, le troisième et dernier axe de travail qui a été choisi, c'est celui des automatismes. Parce que le travail des automatismes est devenu un enjeu important aussi au lycée. Donc, ce travail autour des automatismes existait déjà au collège. Il y a déjà une pratique installée des automatismes, mais les ressources proposées visent à analyser un petit peu la manière dont on pratique les automatismes, à bien différencier ce qu'est un travail des automatismes de la mise en place d'un rituel, et donc maintenant à réfléchir aux différentes modalités pédagogiques possibles pour travailler les automatismes, mais aussi à la progressivité à mettre en œuvre, comment faire travailler un domaine d'automatisme au cours de, enfin, dans un thème, au cours du programme de l'année, dans un cycle, et puis aussi à s'interroger sur toutes les liaisons, la liaison école-collège, la liaison collège-lycée, mais aussi la liaison entre ce qui se passe en classe et ce qui se passe en dehors de la classe. Donc vraiment repositionner le travail des automatismes dans un cadre plus général. Merci. Effectivement, on voit qu'on a là trois thèmes qui sont des vrais leviers de progrès en termes de réussite des élèves. Est-ce que ces ressources, elles s'adressent uniquement aux enseignants ou à un public plus large? Et si elles s'adressent à une diversité de public, du coup, quelle va être leur forme? Quelle forme elles peuvent prendre? Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des ressources qui vont permettre des applications concrètes dans la classe. Il faut que les gestes professionnels puissent évoluer. Donc, les ressources, elles visent avant tout les enseignants, mais elles les visent de deux manières différentes. Donc, il va y avoir des ressources qui vont être directement accessibles aux enseignants pour les aider à mieux appréhender ces différentes thématiques, à décrypter les enjeux, à avoir des clés pour améliorer leur pratique. Donc, il y aura des ressources pratiques à destination des enseignants qui seront publiées sur EduSchool. En parallèle de cela, il y aura aussi des ressources d'un autre type qui vont être produites, qui seront des ressources de formation. Des ressources de formation sous forme de kits, de modules de formation, à destination des inspecteurs, des formateurs, et donc les inspecteurs et les formateurs pourront choisir parmi des petits modules, fabriquer leur formation adaptée à leurs besoins à partir de ces modules. Donc, il y aura par exemple à disposition des vidéos, des diaporamas, différents supports et des déroulés de formation, et ainsi chacun pourra créer la formation qui convient aux besoins de ses équipes et de ses professeurs. Merci beaucoup. L'inspecteur de mathématiques que je suis est effectivement très sensible et accueillera avec joie des outils clés en main pour avancer plus rapidement le travail sur les formations qu'on prépare en académie. Je ne doute pas que ça pourra aussi intéresser certains laboratoires de collège. Merci en tout cas Gaëlle Papineau. On aborde maintenant un deuxième thème, après ces ressources plus transversales sur les gestes professionnels, la question de la résolution de problèmes au collège. Donc un guide sur la résolution de problèmes au collège est en préparation actuellement, il est en cours d'écriture et il se penche notamment sur le continuum didactique autour de la résolution de problèmes au cycle 3 et 4. Donc, je retourne vers Charles Torossian et je lui demande pourquoi, à votre avis, était-il nécessaire de se pencher sur ce continuum didactique sur la résolution de problèmes, et puis peut-être plus généralement, dans quel état d'esprit a été rédigé ce guide? Merci Christophe pour cette question tout à fait pertinente. Alors, la résolution de problèmes, c'est effectivement, on dit souvent, c'est le cœur de l'activité mathématique et on n'a pas tort de dire ça. Alors, le premier point, c'est que si on regarde les évaluations internationales, notamment si on compare TIMSS en CM1 et TIMSS en 4e, on est frappé, en vérité, de deux choses. D'une part, le faible résultat des Français, bon ça c'est pas une nouvelle, hein. La presse s'en est fait écho,
mais c'est surtout d'un point de vue mathématique, à l'intérieur des items, la correspondance qu'on peut trouver entre le CM1 et la quatrième. Et il y a quand même des stratégies maintenant à mettre en place si on veut accompagner les élèves sur ces questions de résolution de problèmes et de performance. Il y a une chose que vous devez avoir en tête et vous allez voir vers quoi je veux vous accompagner, vous amener en fait dans ma réflexion, c'est la question de PISA 2022. Alors PISA, vous savez, c'est une évaluation pour les élèves de 15 ans qui a promu la notion de compétences globales. Alors ces compétences de l'élève, du jeune, elles se projettent aussi dans les compétences de l'homme du 21e siècle, avec un grand H bien sûr. Alors, ce 21e siècle, ça doit amener à créer des citoyens qui sont capables de mener des raisonnements critiques, d'avoir de la créativité, de pouvoir mener des recherches et de faire des enquêtes, d'avoir de l'initiative et de la persévérance, de savoir utiliser de l'information, de savoir communiquer, de mener des réflexions. Et vous voyez que ces compétences du citoyen, de l'homme adulte, l'homme avec un grand H, le genre humain, eh bien, c'est des choses qu'on peut déjà travailler très tôt dans la résolution de problèmes. Et c'est ça le sens, finalement, de l'éducation aux mathématiques. Ce n'est pas juste pour faire des maths, c'est aussi pour préparer le citoyen de demain. Alors, PISA 2022, c'était bien sûr des compétences, mais c'est aussi maintenant des axes, des concepts clés autour des mathématiques. Alors, je vais en citer deux, trois. Comprendre la quantité et les systèmes de numération et leurs propriétés algébriques. Ça rappelle sans doute pour les gens qui nous écoutent et qui seraient enseignants dans le premier degré, la question de la numération. La question de la numération, c'est quelque chose d'important. Comprendre le potentiel de l'abstraction et de la représentation symbolique. Alors ça, c'est exactement ce qu'on fait dans le guide CP, où on essaye d'amener à travers la résolution de problèmes à représenter les quantités par des unités, en quelque sorte, de réflexion qu'on pourra découper. Je saute un petit peu les items et j'arriverai vers voir la variation comme le fondement de la statistique. Ça, c'est quelque chose vraiment très important dans le continuum, puisque la donnée et les statistiques, c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler du CM1 jusqu'en troisième et au-delà, bien entendu. Et voir ce continuum à travers la variation, c'est permettre effectivement de préparer PISA 2022, mais aussi les compétences du citoyen. Enfin, tout ça, bien sûr, ce sont des mathématiques, mais l'esprit dans lequel ont été faites ces ressources, c'est d'abord des ressources qui doivent être concrètes, utilisables dans les classes et en formation, qui doivent permettre des discussions entre collègues, de pouvoir promouvoir les lesson studies, c'est-à-dire préparer des choses, les voir comment on va mettre en place ces ressources dans les classes et s'observer entre collègues pour pouvoir ensuite discuter. Donc, au fond, on a voulu parler de choses profondes en des termes simples. Et ça, c'est le cœur des mathématiques. Les mathématiques, il ne faut pas faire des choses compliquées et peu profondes. Au contraire, il faut faire des choses simples et profondes. Alors, merci. J'ai l'intention. Alors, on a bien compris l'esprit, mais maintenant, très concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce guide en termes de contenu? Alors, non, c'est pas vraiment un livre en vérité, c'est un guide. On va pouvoir piocher dedans un peu. Il y aura évidemment une introduction, une conclusion, comme tout texte, une conclusion sur les démarches d'enseignement, une introduction sur finalement les fondamentaux et ce qu'on cherche à faire. De manière invariante, il y aura 6 chapitres avec 5 à 6 exemples qui seront un peu décortiqués, dans lesquels il y aura des focus. Vous aurez un éclairage historique, le mot du chercheur. Par exemple, on a choisi de ne pas traiter probabilité en tant que telle, mais plutôt de prendre gestion des données statistiques. Et il y aura un focus sur les pourcentages et sur les probabilités. Vous voyez, donc on a essayé d'inverser un petit peu la vision de la chose. On va, par exemple, à travers des focus et à travers la résolution de problèmes, essayer de montrer quelles compétences très concrètes on développe en résolvant ce genre de problème et par les démarches didactiques. Il y aura un chapitre sur les grandeurs. Grandeur, c'est effectivement ça renvoie à une compétence que j'ai pas citée pour les concepts clés, qui est recourir à la modélisation mathématique
pour percevoir le monde. Et la grandeur, c'est déjà le premier et la première clé pour comprendre le monde, comme vous le savez. Et surtout, il y aura un chapitre original sur les patterns. Les patterns, excusez-ma toux, là, c'est le Covid, les patterns et l'algorithmique. Et vous savez que les patterns, c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup, qui est très présent dans les évaluations internationales. Et ça permet de développer des capacités de raisonnement, d'essais erreurs, disons d'avoir développé de l'intuition en quelque sorte. Et c'est déjà des démarches très algorithmiques. Donc, il nous a semblé assez intéressant de promouvoir, par exemple, dans un tel guide, l'usage, disons, des patterns dans la résolution de problèmes. D'accord, pardon pour cette question, mais est-ce que dans ce guide de résolution de problèmes, est-ce qu'il y aura des problèmes ? Alors, évidemment, puisque chaque chapitre sera, disons, illustré par 5-6 problèmes, et donc ce sont des choses très concrètes, les professeurs pourront les prendre telles quelles et les utiliser dans la classe, et ils auront voir expérimentalement les démarches didactiques et d'enseignement à mettre en œuvre. Donc évidemment, en tout, il y aura une cinquantaine de problèmes dans ce guide de problèmes de résolution de problèmes. Je pense qu'effectivement, les enseignants seront ravis de trouver des ressources directement utilisables en classe dans ce guide, surtout sur ce thème de la résolution de problèmes. Alors, un autre axe de travail important au collège, c'est la question de mettre les élèves au travail, de les motiver à faire des mathématiques, et donc plus généralement de l'image des mathématiques et de la valorisation de cette image. Donc j'aimerais me tourner maintenant vers Christian Merca et Gaël Papineau. C'est un thème qui est important, tout le monde le sait, et en même temps, ce n'est pas forcément simple. Quelles nouvelles pistes vous allez proposer dans le cadre de ces ressources sur ce thème ? Merci Christophe. Donc effectivement, notre groupe de travail sur la valorisation des mathématiques va donner des petites pistes donc qui vont largement recouvrir les axes que Gaël Papineau a décrit tout à l'heure. Donc par exemple la place de l'oral ou donc l'appui sur la recherche ou encore les faire œuvre commune et travailler le travail en commun. Dans ce petit guide, nous proposerons des tutoriels pour mettre en place dans la classe des actions qui promeuvent les mathématiques et permettent de changer un peu l'image que les élèves ou les parents d'élèves ou même les collègues des autres disciplines peuvent avoir des mathématiques et de leur place dans le curriculum et dans la société de manière générale. Donc je vais simplement mettre le focus sur quatre petits exemples, donc de manière à montrer que c'est la valorisation des mathématiques, ça n'est pas réservé aux super profs et que ça a sa place dans la pratique quotidienne de la classe et à un coût pas forcément exorbitant. C'est-à-dire que ça n'est pas faire quelque chose en plus, au contraire, la valorisation des mathématiques nous permet d'enseigner les mathématiques au jour le jour. Donc, par exemple, la place de l'oral est à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire parler de mathématiques ? Donc, une proposition, c'est le show and tell qui existe dans le monde anglo-saxon, où les élèves amènent une problématique qui peut être « j'ai trouvé cet objet bizarre » dans le grenier, c'est une règle à calculer, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ou venir avec des témoignages des parents d'élèves, par exemple, sur la place des mathématiques dans leur vie de tous les jours, ou dans leur utilisation, ou encore un aspect historique, présenter une mathématicienne, par exemple, et son travail dans l'histoire, ce que ça a donné. Et aussi donner la place au débat, comment est-ce qu'on fait pour débattre de mathématiques, non seulement sur des problèmes ouverts ou des choses comme ça, mais aussi pour des problèmes concrets, des exercices qu'on aurait pu faire de manière moins débattue, moins argumentée. Voilà. Donc des tutoriels dans cette direction, aussi la place des graphiques,
Donc, bien sûr, en s'appuyant sur les bêtisiers de la presse qui nous font regarder BFM, et c'est toujours un florilège de l'inculture que de la plupart des journalistes, mais pas seulement, aussi pointer des ressources positives qui, comme par exemple Gapminder, Mindgapper, non, Gapminder, qui nous permettent de mieux illustrer le fait que articuler différents registres autour d'une notion, d'un point de vue algébrique, d'un point de vue numérique, d'un point de vue graphique, permettent de mieux comprendre des notions, et que bien représenter certaines notions mathématiques sont compréhensibles, tout bêtement compréhensibles. Voilà, donc une autre, c'est de changer notre regard sur nos élèves en leur permettant de faire œuvre commune. Alors, un petit peu par la pédagogie du retour, qui, je sais, du détour, qui parfois n'a pas beaucoup de retour. Hein, c'est un risque qu'on peut avoir là-dedans. Et donc, par exemple, autour de maths et art. Donc, Charles Taurussian a parlé des patterns. Et donc, j'ai vu un exemple absolument fabuleux d'un buffet fait par un lycée hôtelier. C'était un buffet mathématique, tout autour de patterns et de répétitions. C'était absolument fabuleux. Il y a un dispositif que j'aime beaucoup qui s'appelle Regard de géomètre, qui permet au long de l'année de faire des mathématiques qui sortent de la classe, des mathématiques qu'on peut afficher, des mathématiques dont on peut être fier, des mathématiques dont on peut... Vous voyez, j'ai programmé moi ce jeu-là et c'est super, j'ai fait des maths et c'est vraiment bien. Des mathématiques qui permettent aussi de collaborer avec des professeurs d'art plastique, par exemple, ici, mais aussi d'autres sciences, d'autres disciplines. Et un appui sur la recherche. Cet appui sur la recherche est profitable non seulement aux élèves et à leurs enseignants, mais également aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs de l'université, qui comprennent mieux ce que sont les élèves du secondaire et en particulier du collège. C'était par exemple un dispositif qui est tout à fait intéressant, c'est MathEngine, où on a un groupe d'élèves volontaires travaillent tout au long de l'année en collaboration avec un chercheur autour d'une thématique, et un atelier MathEngine va participer au congrès MathEngine sur 3 jours, participer à des amphithéâtres, faire des présentations dans des amphis, faire des présentations sur des ateliers. Et c'est vraiment toujours une ambiance exceptionnelle, où l'initiation à la recherche, par la recherche et par les moyens de diffusion de la recherche, que sont les congrès et les articles, ne font pas douter l'enseignant que je suis de la justesse de ma mission. Alors bien sûr, Covid oblige, ça fait 2 ans que nous n'avons pas eu de congrès en présentiel, mais il se passe quand même des choses très intéressantes là-dessus. Voilà. Donc, pour compléter le propos de Christian, donc les ressources qui vont être proposées insistent vraiment sur le fait que cette valorisation de l'image des mathématiques démarre dans la classe, au sein du cours de mathématiques, par des petites activités qui vont être motivantes et accessibles à tous. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on peut se lancer dans des actions valorisantes pour l'image des mathématiques sans que ce soit forcément quelque chose de spectaculaire ou quelque chose qui demande un investissement énorme en dehors de la classe. Donc on peut y aller à petits pas. Merci beaucoup à tous les deux. On va aborder rapidement le dernier thème de préparation de ressources, qui est un thème un petit peu plus original, puisqu'il apporte la question des stratégies de pilotage pour améliorer l'enseignement des mathématiques dans les établissements. Alors, on pourrait croire que ça s'adresse davantage aux cadres, mais finalement, c'est un sujet qui va peut-être aussi intéresser les enseignants, de savoir comment leur chef d'établissement pourrait mieux les accompagner à développer l'enseignement des mathématiques. Charles Taurussian, est-ce que vous pouvez nous dire si ce guide, dans le même esprit que les autres, va proposer des ressources concrètes pour améliorer le pilotage des mathématiques ?
Oui, Christophe, parfaitement. Ce quatrième volet, en fait, sera présenté sous forme de fiches actions très concrètes. On va aborder, par exemple, mathématiques et besoins des élèves, donc des pistes très concrètes pour accompagner les équipes pédagogiques à mieux identifier les besoins des élèves et y répondre. Mathématiques et continuité pédagogique, des pistes pour faciliter la coordination des acteurs et la mise en place d'outils au sein d'un cycle. On aura aussi des actions très concrètes, comment faire pénétrer les mathématiques comme une thématique centrale dans les conseils d'enseignement ou les conseils de cycle. Question sur... des questions sur les emplois du temps. Comment générer des emplois du temps favorisant des apprentissages en assurant des pratiques pédagogiques variées? Et Dieu sait si les emplois du temps sont la source, quand même le cœur du levier pédagogique. Comment choisir les livres? Voilà, évidemment, ça questionne la liberté pédagogique des enseignants, mais la question qui se pose, c'est quelle place pour le chef d'établissement dans le choix des livres du collège, par exemple, si prochainement ils sont renouvelés. Mais aussi des fiches très concrètes sur les espaces, sur les aménagements pour les élèves, pour les professeurs, pour favoriser les apprentissages en mathématiques, mais aussi pour installer, par exemple, un laboratoire de mathématiques. Merci. Je pense que beaucoup seront curieux et impatients de voir ce qu'on peut proposer pour mettre en synergie les professeurs de mathématiques et les équipes de direction sur ces questions-là. Une dernière question avant qu'on termine cette présentation. Au-delà des ressources elles-mêmes, se pose finalement un petit peu la question de leur exploitation, voire de leur diffusion et de leur promotion. Parce que des ressources produites par la DGESCO, il y en a. Il y en a pas mal, elles sont évidemment excellentes, mais finalement pas toujours aussi exploitées que ça en classe, en tout cas pas autant qu'on le voudrait. Christian Merca, Gaël Papineau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question et peut-être en quoi ces ressources, est-ce qu'on peut espérer qu'elles soient davantage utilisées dans les classes? Merci Christophe. Effectivement, des ressources, il en existe beaucoup, de qualité très inégale qu'on trouve sur le web ou alors dans les manuels scolaires, mais des qui sont franchement vraiment excellentes, c'est celles de la DGESCO. Elles sont vraiment très très bonnes. Et c'est vrai, un crève-cœur. Donc moi, je n'ai pas participé à les écrire, hein, mais c'est quand même un crève-cœur de voir qu'elles sont si peu utilisées. Et il y a peut-être une particularité disciplinaire, et en particulier française, de vouloir à tout prix être original et de penser que s'approprier une ressource existante, c'est être un mauvais prof. C'est pas vrai. Je m'inscris en faux en tant que formateur d'enseignants. Je m'inscris en faux là-dessus. Il y a des portes ouvertes que chaque enseignant se doit d'enfoncer. Okay, donc, il est absolument nécessaire que, pour introduire la lettre en cinquième, quatrième, par exemple, eh bien, les élèves soient passés par l'utilisation du tableur, comme Myriam Aspekian le promeut, où il y a certaines vérités de la recherche qui doivent quand même qui montrent qu'il y a certaines choses qu'il faut faire. Okay, et donc, il ne faut pas à tout prix tâcher d'être original. Et donc, il y a de nombreux collectifs qui vont du bac à sable à la ruche sur Internet, qui sont tout à fait intéressants, comme ces AMAT ou des pages Facebook qui sont super, où il se passe vraiment de très très belles choses et où collectivement, eh bien, les enseignants s'emparent de ressources et tentent de comprendre qu'est-ce qui fait la robustesse d'une ressource et pourquoi est-ce que tant d'intelligence a été mise à son élaboration et pourquoi il faut l'utiliser comme ci et pas comme ça et quelles ont été les variables didactiques, excusez-moi d'employer des gros mots, qui ont prévalu, qui ont été choisis pour cette instance. Donc, et l'endroit pour faire ces analyses-là peut aussi se passer en présence. Donc, bien sûr, vous pouvez vous entendre mieux avec votre collègue de Orléans, par exemple, que votre voisin de salle de classe. Hein. Donc,
peut-être que la distance n'est pas un problème, mais n'empêche qu'être en présence, donc par exemple en particulier dans les laboratoires de mathématiques qui éclosent dans toutes les académies et en particulier maintenant au collège, sont un lieu où on peut justement s'emparer d'une activité et tenter de la parfaire, en particulier avec la méthodologie des lesson studies. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup des très belles ressources à EduSchool. Eh bien, utilisez-les et comprenez pourquoi elles sont si bien faites. Du côté institutionnel, il a vraiment été décidé, en plus d'assumer la publication de ces ressources, d'assurer leur portage et leur diffusion jusqu'aux classes. Donc vraiment d'accompagner cette diffusion dans les académies, en particulier en créant ces kits de formation hein, qui vont être utilisés par les inspecteurs et les formateurs dans les académies dès l'année prochaine, et aussi en mettant en place en fin d'année scolaire un séminaire dans le cadre du PMF qui va permettre donc aux inspecteurs et aux formateurs de s'approprier un petit peu l'ensemble de ces ressources et de réfléchir à leur déploiement et à ce volet académique pour que ces ressources arrivent dans les classes et que l'action arrive jusqu'aux élèves. Donc, on compte évidemment sur tous les maillons, tous les pilotes pour réussir ce déploiement en académie et mettre en œuvre des formations, des accompagnements académiques et locaux dans les laboratoires, évidemment. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier chaleureusement tous les trois pour toutes ces bonnes nouvelles et ces informations très intéressantes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et on vous donne rendez-vous très prochainement pour la publication de ces ressources. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.